Nous sommes le 29 août. Dans 48 heures, le destin d'Amélie Poulain va basculer. Mais ça, pour le moment, elle n'en sait rien. Pour elle, la vie tranquille suit son cours parmi ses collègues et les habitués du café. Elle, c'est Suzanne, la patronne. Elle boite un peu, mais elle n'a jamais renversé un verre. Quand elle était jeune, elle était danseuse équestre à Medrano. Elle aime les sportifs qui pleurent de déception. Elle n'aime pas voir dans son café un homme se faire humilier devant son enfant. Moi, je pense et toi, tu obéis. Au tabac, c'est Georgette, la malade imaginaire. Quand elle n'a pas de migraine, c'est le nerf sciatique qui coince. Celle-là n'aime pas entendre, le fruit de vos entrailles est béni. Voilà Gina, la collègue d'Amélie. Sa grand-mère était guérisseuse. Ce qu'elle aime, c'est faire craquer les os. On la voit qui sert un kir framboise à Hippolyto, l'écrivain raté. Lui, ce qu'il aime par-dessus tout, c'est voir à la télé un toréador se faire encorner. Le type qui les observe, l'air mauvais, c'est Joseph. Un amant jaloux est conduit par Gina. Il passe ses journées à l'espionner pour voir s'il a un remplaçant. La seule chose que celui-là aime, c'est crever les pustules des emballages en plastique. Et enfin, voilà Philomène, l'hôtesse de l'air. C'est Amélie qui garde son chat Rodrigue quand elle part en voyage. Philomène aime le bruit du bol d'eau sur le carrelage. Rodrigue, quant à lui, aime être présent quand on raconte des histoires aux enfants. Ah non, merci ma petite dame, je travaille jamais le dimanche. Souvent, le week-end, Amélie prend le train Gare du Nord pour aller rendre visite à son père. Mais pourquoi tu profiterais pas de ta retraite? Pourquoi pour... faire? Bah pour voyager, t'as jamais quitté Enghien. Bah, quand on était jeune avec ta mère, on aurait bien voyagé, mais on ne pouvait pas. À cause de ton cœur. Oui, je sais. Alors maintenant,